Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolée pour le retard et ce petit contretemps. Normalement, je pense que vous devez m'entendre et me voir. Bonsoir, bonsoir. Ok, donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous m'entendez mal ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. En plus là, j'ai pas mis le retour avec mon iPad ou avec mon téléphone, donc je compte vraiment sur vous pour me dire si tout va bien. Donc bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, super. Alors, on va commencer assez rapidement. Ok, parfait. Alors, l'idée, c'est que ce live n'excède pas 1h30, un petit peu comme le temps du texte, parce qu'après, sinon, c'est quand même assez long. Et comme je sais que pas mal de personnes vont aussi revoir ce live après, j'essaye de ne pas excéder non plus 1h30 parce que c'est quand même très long après en revisionnage quand on n'était pas au live en direct. Donc bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors comme vous le savez, on se retrouve pour le premier live de la lecture commune de Mirbeau, le Jardin des Supplices. On en aura uniquement deux, étant donné que Le Jardin des Supplices, c'est un roman relativement court qui se divise plutôt très très bien. Et ça, on va en reparler justement. Et dans ce premier live, j'aimerais qu'on reste dans une approche un petit peu plus globale, un petit peu plus générale. Et puis, on essaiera dans le second d'aborder vraiment des thématiques un peu plus précises et peut-être de réfléchir davantage à la symbolique qu'il peut y avoir dans ce roman. Et de toute manière, ça collera beaucoup plus avec la seconde partie. Donc là, pour cette première semaine, il fallait lire les premières pages qui correspondent au frontispice et la deuxième partie, entre guillemets, de ce roman-là, qui en comporte trois, on va dire, qui s'intitule « En mission ». Donc déjà, j'espère que vous avez toutes et tous eu le temps de lire ces quelques... Je vais vous dire ça tout de suite, on en est à environ une centaine de pages. Il me semble, en tout cas dans mon édition, je précise que la mienne, c'est l'édition Folio Classique. Et je crois que certaines et certains d'entre vous avaient une autre édition. Notamment une très belle, j'en ai vu passer une super belle sur Instagram. Ouf. Donc avant qu'on commence, j'aurais voulu savoir qui a découvert Mirbeau avec cette lecture, ou est-ce que vous aviez déjà lu ce roman, ou est-ce que vous aviez déjà participé par exemple au club de lecture, et vous aviez donc je pense peut-être lu Journal d'une femme de chambre, ou est-ce que c'est possible, vous avez également lu d'autres des romans de Mirbeau. Je n'ai pas trouvé le livre en Kindle, je n'avais pas le frontispice. Ah! Bon, alors, c'est pas non plus très très problématique, mais effectivement, ce n'est pas la version complète, donc. Ok, super, Saphir Cléo. Kauter, c'est génial. Premier Mirbeau, découverte pour ma part, ok. Est-ce qu'il y a quand même quelques personnes qui avaient peut-être lu Journal d'une femme... Ah, voilà, j'ai lu Journal d'une femme de chambre... Flaubert & Co, c'était ma première découverte aussi, je n'avais jamais lu Mirbeau avant. Eh bien écoutez, de toute manière, ce n'est pas étonnant, étant donné que je n'ai un petit peu de cesse de le répéter, j'ai peur de devenir lourde avec ça, mais Mirbeau est totalement, peut-être pas totalement, mais quand même fortement oublié, alors que ça ne correspond ni à sa production littéraire, on va dire, ni à l'influence qu'il a connue de son vivant, ni aux relations qu'il a eues avec d'autres artistes. C'est ça qui est quand même assez fascinant. Ok, Dragon Culture, oui, j'ai vu passer effectivement ton post sur la grève des électeurs.
Alors, personnellement, j'ai lu Journal d'une femme de chambre et j'ai lu Le Jardin des Supplices. C'est ma deuxième lecture du Jardin des Supplices qui avait été une véritable claque littéraire, une claque esthétique, une claque à tous les niveaux. Vraiment, ce roman m'avait prise par surprise, mais totalement pour le coup. Et j'ai le tome, le premier tome. Est-ce que je vais vous le chercher? Bon, je vais vous le chercher. J'aurais dû le prendre avec moi, mais c'est pas grave. Donc j'ai également ce gros volume qui est le volume 1 des œuvres romanesques dans lequel on peut trouver Le Calvaire, l'Abbé Jules, Sébastien Roch, L'Écuyère et La Maréchale. J'ai très très envie de le lire, je pense. L'objectif pour moi là c'est quand même de lire un peu, pas tout, mais beaucoup beaucoup de Mirbeau durant la seconde partie de l'année là. Donc j'ai ce gros pavé et il y en a encore deux autres. Le volume 2 qui comprend Dans le ciel, Le Jardin des Supplices, Le Journal d'une femme de chambre, deux autres textes et le volume 3 qui doit être très intéressant parce qu'il y a la 628 E8 et ce sont les derniers textes de Mirbeau qui sont extrêmement expérimentaux également. Et qui ont l'air absolument passionnants, et j'aimerais me procurer aussi Ces combats ou Mes combats, qui est en fait un recueil des textes journalistiques écrits par Mirbeau, parce que Mirbeau a une grande activité de journaliste, de critique, et c'est pas d'habitude effectivement quelque chose qui va beaucoup m'attirer, mais dans le cas de Mirbeau, j'ai quand même envie de les lire. Et puis j'ai deux petites éditions comme ceci. La mort de Balzac, ici publiée chez Sillage, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Salut Amandine. Qui, voilà, sera sans doute lu incessamment sous peu. Et ce tout petit texte qui, pour le coup, lui est vraiment tout court, La Folle de Mirbeau, qui est super, super court parce qu'en fait, c'est 9 nouvelles. Donc dites-vous bien que là, c'est de l'ordre, la nouvelle fait 3 pages. Et c'est publié par Mille et Une Nuits. Ce sont des vieilles éditions. Il y avait encore le prix en francs. Voilà. Donc, je vous propose de commencer un petit peu avec un bref, une brève, contextualisation un petit peu sur la vie de Mirbeau. Alors, si vous avez cette édition-là, vous avez une chronologie à la fin qui est très bien faite, très détaillée, très intéressante. Et en tout cas, je vais absolument vous recommander d'aller sur le site Assaut Mirbeau. Oh, c'est génial, Vinouchka! C'est fou ça, c'est un signe. Donc je vous recommande vraiment d'aller sur le site Assaut Mirbeau parce qu'ils ont énormément de choses et je vous recommande aussi de, si jamais voilà vous vous intéressez à Mirbeau et que vous avez envie d'en lire un petit peu plus sur lui, ils ont un dictionnaire également, bref, en gros comme un dictionnaire mais qui se rapporte à Mirbeau. Et dans lequel vous pouvez chercher les thèmes, les œuvres, mais également les personnes et les personnalités qu'il a pu connaître, qu'il a pu fréquenter. Ça, c'est très très intéressant. Et la vie de Mirbeau est juste assez incroyable. Donc, je ne sais pas si vous avez eu un petit peu la curiosité de regarder quelle avait été la vie de Mirbeau, ou pas trop. Donc, de manière, on ne va pas faire un cours non plus biographique, hein, mais je pense que ça peut être intéressant quand même de mentionner deux, trois choses parce que ça éclaire vraiment la lecture, pardon, de ses œuvres et puis que c'est une existence, enfin en tout cas une vie assez hors du commun. Et je trouve qu'à la lecture justement de cette de ses biographies ou des chronologies sur sa vie, quand on voit tout ce qu'il a produit, quand on voit les personnes avec qui il a interagi, quand on voit le retentissement et la renommée qu'il a eu en fait de son vivant, c'est d'autant plus surprenant ou en tout cas d'autant plus ça interpelle d'autant plus qu'il soit tombé dans l'oubli. On se rend bien compte que ce n'est pas, à mon avis, un simple concours de circonstances. Donc Mirbeau, il est né en 48, en 1848, en Normandie. C'est assez fou, hein, comme il y a beaucoup d'auteurs quand même du 19e qui naissent qui sont de Normandie. Et il vient d'une famille qui est relativement aisée et bourgeoise, hein, surtout du côté de son père quand même. Et il a fait ses études chez les Jésuites.
dans un collège d'où il a été viré dans des circonstances un petit peu floues. Et ses trois premiers romans, donc Le Calvaire, Sébastien Roch et l'Abbé Jules, en fait, sont des romans considérés comme plus ou moins autobiographiques. Et justement, il va en tout cas traiter de ce sujet, voilà, de prendre un personnage qui va être exclu d'un établissement religieux. Et je vous laisse, voilà, vous renseigner sur le pourquoi et l'événement vraiment violent, attention quand même, qui va entraîner cette exclusion. Et à ce jour, en fait, on n'a pas de certitude. Est-ce que là, c'est la fiction et l'écrivain qui ont pris le dessus, ou est-ce que Mirbeau relate un événement qui lui est réellement arrivé? Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de faire un énorme spoiler et teaser sur l'événement. Que peut-il se passer avec des prêtres et de jeunes élèves, n'est-ce pas? Donc, on ne sait pas, en fait, si c'est réellement ce qui est arrivé à Mirbeau. En tout cas, il ressort de ce collège avec un grand dégoût de la religion, des religieux, des dogmes. Et il part à Paris faire ses études, des études de droit qu'il fait sans grande conviction et sans motivation, un petit peu comme Frédéric dans l'éducation sentimentale. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est son père, en fait, notamment, qui lui dit il y a certains métiers, je les refuse, quoi. Donc je te laisse ne pas devenir médecin si tu le souhaites, mais en tout cas, tu ne seras pas écrivain, donc tu vas faire du droit, plus ou moins. Et en fait, en 70, la guerre se déclare, ou plutôt est déclarée, et Mirbeau est mobilisé. Et là, en fait, il va avoir une première expérience militaire qui va se solder par des accusations d'avoir déserté, qu'il va nier, qui seront plus ou moins levées vers une fois qu'il aura pu s'expliquer. Mais en tout cas, il est dégoûté également de l'armée. Du système militaire, des guerres, il se remet à questionner la notion même de patrie, la notion d'engagement patriote, et il devient donc sérieusement antimilitariste. Donc là, on est quand même à un début de vie où on a effectivement plusieurs expériences traumatisantes et des engagements politiques qui suivent et qui succèdent et qui sont en fait les conséquences tout à fait, selon moi, logiques de ces expériences vécues. Ensuite, Mirbeau, il a un début, on va dire, journalistique et politique, où il est plutôt conservateur. Et puis, au fur et à mesure, en fait, politiquement, il va s'acheminer vers une position qui n'a plus rien à voir, ou presque. Il devient anarchiste, libertaire et anarchiste individualiste plutôt. Et en fait, il maintiendra ces positions-là, même durant la répression, et même lorsque, en fait, de nombreux anarchistes sont arrêtés, sont exécutés, condamnés à mort. Mirbeau les soutiendra. Alors, il ne sera pas dans une démarche non plus militante. Par exemple, il va aussi condamner certains attentats. Mais il écrira toujours pour défendre, en tout cas, les condamnés à mort, les militants anarchistes, et lui, il restera très clair sur ses positions. J'espère que vous n'entendez pas la personne qui est en train de s'exciter sur son klaxon dans sa voiture. Et il connaît aussi, alors ça j'étais très surprise par contre, donc il connaît un grand succès en tant que critique, mais au début, en tant que critique et journaliste donc, mais au début il a de nombreux scandales, et il a aussi une position plutôt antisémite pour laquelle il va s'excuser par la suite assez rapidement, et il sera d'ailleurs Dreyfusard, et il protégera énormément Zola. Bah en tout cas, moi, ça me dérange, ce klaxon, j'en peux plus. Bah, je suppose que c'est quelqu'un qui ne peut pas sortir parce que quelqu'un a dû mal se garer et bloquer la sortie, donc je compatis, mais moi, ça me saoule. Et donc, de nombreux scandales, surtout au début de son activité de journaliste et de critique, et il aura aussi de nombreux duels. Alors ça, je ne savais pas du tout, mais il va se battre en duel à plusieurs reprises, quand même. Ce qui est assez surprenant. Enfin, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que ça n'arrive presque qu'aux personnages de romans. Mais en fait, non. Hein. D'ailleurs, est l'un des grands auteurs russes, malheureusement, l'a bel et bien vécu. Et ça a bien abrégé sa vie. Bref. Et il côtoie de nombreux auteurs. Il côtoie Flaubert. Brièvement, il côtoie Zola, il côtoie les Goncourt, avec de qui il était très proche. Également Huysmans, Maupassant. C'est lui qui va lancer Maeterlinck aussi. Il va aussi côtoyer des peintres, des sculpteurs. Bref, et d'ailleurs très intéressant, ça va être aussi l'un de ceux qui va
Ouais, Pouchkine, malheureusement. On a perdu Pouchkine. En plus, c'est un Français qui l'a tué, si je ne m'abuse. Donc, honte sur nous. Je vous disais donc, Mirbeau, c'est l'un de ceux qui va défendre en premier en tant que critique d'art, par exemple les impressionnistes, mais aussi toutes les personnes qui vont un petit peu relever de l'avant-garde. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas très surprenant quand on se penche vraiment en détail sur son écriture. De l'autre côté, bon, ça correspond bien quand même à l'idée des scandales et des duels. Il a une vie plutôt dissolue en termes d'aventure amoureuse. Et il va aussi subir une grande. Comment dire? Il va vivre en tout cas une relation très douloureuse et qui va énormément l'impacter avec une femme et qui le conduira à passer un certain temps en fait en mer, seul sur un bateau, à se retirer un peu de la vie, puis à revenir après, une fois qu'il aura réussi en tout cas à se détacher de cette femme. Ça, je pense que c'est important parce que ça éclaire aussi quand même certains éléments, notamment bah dans le Jardin des Supplices, sur les relations hommes-femmes, sur le personnage féminin chez Mirbeau. Et puis, il finit par se marier avec une femme qui s'appelle Alice Regnault, et qui est une femme assez horrible. Alors j'ai totalement oublié tellement j'étais emportée, mais je vous avais préparé, pof, une petite photo de Mirbeau. Donc ça c'est Mirbeau, et puis bah, à gauche justement, je vous ai mis Alice Regnault, qui était une petite actrice. Alors quand je dis petite actrice, c'est qu'en fait elle n'était pas très connue, elle n'avait pas un grand succès, et qui était aussi écrivaine. D'ailleurs, qui a publié plusieurs romans, trois ou quatre il me semble, qui n'étaient pas non plus apparemment incroyables, mais en tout cas voilà, c'était une femme entre guillemets de lettres. Des arts. Elle s'est prostituée pendant très longtemps et Mirbeau l'a épousée en totale connaissance de cause. Voilà. Et il a été d'ailleurs désavoué par pas mal entre guillemets de ses amis qui ne voyaient pas du tout cette union d'un très bon œil. Et en fait, ça s'est vérifié étant donné qu'à la mort de Mirbeau, ça vous le savez peut-être, elle a fait publier un faux testament qui prêtait à Mirbeau des opinions politiques qui n'étaient pas du tout les siennes. En fait, elle a publié ce faux, hein, ce testament qui était totalement inauthentique, dans lequel, soi-disant, du coup, Mirbeau proclamerait être devenu ultranationaliste, patriote, etc. Et en fait, ça a quand même, vous savez, hein, ça je pense que malheureusement c'est toujours pareil, même si c'est faux, les rumeurs, une fois qu'elles sont lancées, ça nous entache toujours un petit peu. Et pendant un certain temps, il a fallu que les amis de Mirbeau, suite à son décès, bah, le défendent en fait et réhabilitent bah, ce qu'il était vraiment et quelles étaient vraiment ses opinions politiques. Voilà. Donc Mirbeau est mort en 1917, épouvanté par la guerre, hein, la Première Guerre mondiale, qu'il n'a eu de cesse en fait de dénoncer, de combattre la guerre tout au long de sa vie. Voilà. Malheureusement pour lui, il n'a pas quitté cette terre avec les meilleures espérances. L'intérêt de faire ça pour elle, bah, je pense que elle a dû gagner de l'argent. Parce que Mirbeau était connu, hein. Mirbeau était très connu. Il a vraiment eu la gloire de son vivant. Et je pense qu'elle a dû faire payer effectivement les droits de publication de ce testament immédiatement après la mort d'un homme de lettres et d'un journaliste connu. Je pense que c'était une de ses motivations. Voilà. Donc, juste pour vous donner quand même un petit aperçu sur la vie de Mirbeau, mais encore il y aurait énormément de choses à dire, hein, voilà, mais le problème c'est que je ne vais pas parler pendant une heure de la vie de Mirbeau, mais je vous encourage vraiment à vous renseigner parce que c'est absolument incroyable en fait de voir le nombre d'artistes qu'il a côtoyés, presque j'ai envie de dire le nombre de vies qu'il a eues, parce qu'il a toujours eu des. Enfin, je trouve qu'il a mené une vie extrêmement riche, extrêmement dense, extrêmement mouvementée, il a eu beaucoup d'événements assez difficile à surmonter. Il a été très endetté aussi à un moment. Il a tout remboursé au fur et à mesure grâce à son travail de journaliste. Il a eu plusieurs engagements. Il a toujours été extrêmement investi. Voilà. Et puis très intègre. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue en lisant davantage sur sa vie. C'est que c'était effectivement quelqu'un d'assez intègre. Pour vous donner une idée toute simple,
Il était très très proche des Goncourt, qu'il aimait, qu'il affectionnait tout particulièrement. Mais lorsque les Goncourt ont enfoncé Zola, ou lorsque les Goncourt ont également fortement critiqué Flaubert, il n'a pas voulu se joindre à eux, et il s'est plutôt élevé même pour, en opposition à ces prises de position-là, quoi. Et on ne parle jamais de lui. Et c'était un antimilitariste, c'était un anticolonialiste. Il a écrit des textes en faveur, en tout cas pour le respect, merci beaucoup Dragoon Culture, merci, pour le respect des femmes qui devaient se prostituer. Il était pour l'avortement, il était anticlérical, bref. Et il a été ultra... Enfin, ça c'est vraiment un point important, parce qu'elle est... Bon, à la limite, je comprends qu'on n'est pas toutes et tous... ce regard plus global sur l'auteur, peut-être qu'on veut s'intéresser uniquement à l'œuvre, mais Mirbeau a beaucoup écrit et ses romans ont été de gros succès, d'énormes succès en fait. Et en tant que journaliste, comme je vous l'ai répété quand même plusieurs fois, il était très plébiscité aussi. Donc en fait, c'était pas du tout un auteur mineur, c'était pas du tout un auteur inconnu et en vase clos qui ne communiquait pas avec les autres artistes de son époque, pas du tout. C'est un auteur qui a écrit des pièces de théâtre, c'est un auteur qui a écrit des nouvelles, c'est un auteur qui a écrit des romans, c'est un auteur qui a écrit des contes un peu plus, on va dire. C'était un journaliste. Et à l'heure actuelle, on n'en parle pas. On trouve effectivement Le Jardin des Supplices et Journal d'une femme de chambre publié chez Folio, mais ça s'arrête là en fait. Oui, oui, Aragon. Effectivement, il a écrit la préface de la fin de Knut. Knut ou Knut Hamsun, il a beaucoup... En fait, il a quand même œuvré à... comment dire ? Il a œuvré à l'établissement, je sais pas si... Non, ça se dit pas trop en français. De quand même plusieurs auteurs, hein, et plusieurs artistes. Aucun crédit à port... Enfin, on lui... aucun crédit pour lui. J'ai pas trop aimé la fin de Knut Hamsun. Du coup, là, je suis un petit peu en désaccord. Enfin, en désaccord. Je ne suis pas de l'avis de Mirbeau, qui, lui, considérait que c'était un génie et du chef-d'œuvre. Je suis un peu plus mitigée, quand même. J'ai pas énormément apprécié. Voilà. Nat, pourquoi ne parle-t-on plus de lui ? Écoutez, ça, je n'ai pas de réponse vraiment à vous donner. C'est quand même un grand mystère pour moi. On en a parlé lors du live de lundi dernier sur la chaîne Twitch de Redek. Où effectivement, il y a des... Oui, Flo, oui. Mais en fait, on connaît Journal d'une femme de chambre, mais on ne connaît pas Mirbeau. Quand on voit qu'en fait, une œuvre, un roman, éclipse tout le reste, alors que tout le reste est très dense, très riche, et a été très acclamé, ça questionne quand même. Et pareil, ce ne sont pas des œuvres qui, en général, sont enseignées, tombent au concours, sont même étudiées à la fac, vraiment. Donc on ne peut pas dire que ce soit un auteur qui soit reconnu à sa juste valeur aujourd'hui. Pour moi, pas du tout. Et donc pourquoi ne parle-t-on plus de lui ? Il y a des critères, ou en tout cas des raisons qui sont plutôt des raisons contingentes ou circonstancielles. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est pas le bon moment. Un autre auteur plus en vogue à ce moment-là s'installe dans le canon. Il y a peut-être aussi le fait que sa femme, parce que je ne vous ai pas dit ça, mais sa femme, elle n'a pas fait que publier un faux testament. Elle a aussi vendu et dilapidé la bibliothèque de Mirbeau, et notamment tous ses manuscrits, tous ses textes, tout ce que lui avait gardé. Donc est-ce que ça peut aussi expliquer que, en fait, il y a eu un laps de temps, si vous voulez, après sa mort, qui normalement est un temps assez crucial quand même, où logistiquement, je veux dire, au niveau matériel, on n'a pas vraiment pu faire tout ce travail. Je sais pas. Et puis après, à mon avis, je pense que ça s'explique aussi, il n'y a pas de souci, Lucie, t'inquiète. À mon avis, ça s'explique aussi quand même par ses positions politiques, qui sont... Si vous regardez bien, il y a certaines opinions politiques qui semble écarter quand même les auteurs. Les auteurs de droite sont quand même très peu lus et très peu étudiés, pardon. Et de manière un petit peu opposée, mais avec une forme de...
de logique, hein, d'extrême à extrême, si je puis dire, j'ai l'impression que pas mal d'auteurs anarchistes sont quand même peu lus aussi et peu mis en avant. Voilà. Je pense que ça peut aussi s'expliquer par la teneur de ces textes, qui sont très violents, très très ironiques, qui ne sont pas les plus simples non plus d'accès et qui, à l'heure actuelle, je pense, nécessitent vraiment en fait d'avoir un appareil critique pour bien les appréhender. Mais justement, la fac notamment, c'est l'endroit idéal, je pense, pour réhabiliter Mirbeau. Et je pense que ça devra passer, entre guillemets, par l'université qui, même si certains et certaines ne sont pas d'accord, pour moi n'est pas un monde coupé du monde. Je pense que c'est vraiment là que les choses peuvent se jouer. Et il faudrait effectivement que. Voilà, en fait, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'il y a des auteurs qui tombent, bah, par exemple à la grègue ou à d'autres examens, il y a un regain d'intérêt, il y a un regain d'intérêt aussi de la part des maisons d'édition. Et ça passe par là aussi. Nil, c'est intéressant. Après, je pense que l'Italie et la France n'ont peut-être pas la même histoire en termes de rapport à l'anarchisme. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est pour un petit peu la vie de Mirbeau. Et maintenant, on peut passer au Jardin des Supplices. Pardon. Alors déjà le titre. Bon, le titre, je pense qu'on peut toutes et tous s'accorder. Sur la référence assez fidèle quand même. Un tableau qui est d'ailleurs l'un de mes tableaux préférés. Et qui figure d'ailleurs justement sur certaines des éditions, sur une des éditions en particulier que j'ai vue notamment sur passer sur Instagram. Je ne sais plus qui c'est qui l'avait. Je me demande si c'était pas Vinouchka, mais je ne suis pas très sûre. Qui est Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch, qui est un auteur n'importe quoi moi, qui est un peintre très particulier, très intrigant. Je trouve. C'est une œuvre qui est datée à environ le 15e, fin du 15e, début du 16e, et que j'ai ici pour vous. Laissez-moi, hop, hop, hop. Normalement, vous devriez l'avoir à l'écran. Donc, c'est une œuvre absolument incroyable. Je l'ai partagé plusieurs fois d'ailleurs sur Instagram avec une version animée qui en a été faite. Vous savez, je ne sais pas quel est ce compte qui essaie d'animer plusieurs œuvres, plusieurs tableaux classiques. C'est absolument génial. Et donc, il y a une animation faite de ce tableau, une animation, vous vous en doutez, qui est absolument horrifiante, étant donné que c'est un tableau absolument horrifiant, en fait. C'est vraiment assez incroyable. Je trouve que c'est presque. Comment dire? D'imaginer en fait qu'un peintre a pu peindre ça à son époque, ça, si on a envie de croire à certaines théories un petit peu fantastiques, un petit peu surnaturelles, alors là je trouve que c'est parfait quoi. Voilà. Mais bref, c'est un superbe tableau qui, sans le moindre doute, a dû inspirer bien évidemment le titre Le Jardin des Supplices. Vous remarquerez qu'entre supplice et délice, il y a une différence qui n'est pas très grande. Et quand on sait comment sont considérés les supplices dans le roman de Mirbeau, on se rend compte qu'il y a également une forme de proximité sémantique même entre supplice et délice. Voilà. Donc ça, c'était pour nous mettre un petit peu dans l'esprit. Et on va revenir un petit peu là, effectivement, sur le texte. Ouais, c'est totalement dantesque, en effet.
C'est dantesque, mais je trouve en encore plus surprenant et halluciné, quoi. Ce tableau, c'est vraiment incroyable, je trouve, effectivement. Alors, Le Jardin des Supplices, c'est un roman qui a été publié en 1899 et qui, vous le savez sans doute, a été publié en fait en plusieurs parties dans des journaux et des parties qui à la base étaient indépendantes. Donc si vous avez déjà commencé à lire la partie qui s'intitule Le Jardin des Supplices, donc celle qu'on va lire cette semaine, vous avez peut-être remarqué que c'est assez déstabilisant. On a l'impression que ça n'appartient pas du tout à la même unité que Frontispice et la première partie qui s'intitule En mission. On se demande même s'il ne manque pas quelques pages, ou si on n'a pas sauté quelques pages, ou si une partie ne nous a pas échappé à la lecture, en fait, pour faire le lien entre les deux parties. C'est parce qu'en fait, c'est réellement trois parties qui n'avaient pas vocation à être reliées et qui pouvaient se suffire à elles seules, à la base. Et quand on regarde bien, la structure même en fait du Jardin des Supplices, c'est une structure très particulière, assez chaotique et très surprenante, et en fait extrêmement avant-gardiste. C'est-à-dire que frontispice, déjà, normalement un frontispice, c'est une illustration. En général, bon voilà, ça pouvait être une illustration, une gravure qui figurait au début d'une œuvre. Là, on n'a pas d'illustration, c'est un frontispice textuel. Bon. Et ensuite, on a effectivement une première page, en tout cas dans mon édition. Je ne sais pas si c'est exactement retranscrit de la même façon dans toutes les éditions. Maintenant, une première page un petit peu isolée de première partie, qui sert un petit peu de préambule, en fait, ou de préannonce. Et donc, on a une forme de paratexte. Donc, le paratexte, alors, c'est pas un vrai paratexte, parce que ça fait partie du roman, mais en tout cas, ça a l'apparence d'un paratexte. Donc, on a un faux paratexte qui vraiment annonce le Jardin des Supplices, sachant qu'en fait, on n'arrive déjà pas vraiment au Jardin des Supplices, on arrive à En mission. Donc, il y a toute une construction un petit peu déceptive, étant donné qu'on n'arrive jamais, ou presque en tant que lecteur-lectrice, à ce qui nous est annoncé dans le titre. Et souvent, en plus, si on vous a recommandé ce roman, c'est vrai qu'on va beaucoup parler de la deuxième partie, étant donné que c'est celle qui choque le plus. Et donc, c'est ce qu'on attend. On a une structure qui est, somme toute, classique, étant donné qu'on a le récit enchâssé bien traditionnel. Hein, le frontispice, en fait, nous apprend que, voilà, ce sont. Enfin, en tout cas, durant le frontispice, on voit des hommes, uniquement des hommes, plutôt appartenant à la classe haute, des intellectuels, des docteurs, des savants, etc., qui discutent entre eux de ce qui pourrait être considéré comme, en fait, l'instinct de meurtre, ou la pulsion de mort, ou la pulsion de. Alors, pas vraiment la pulsion de mort, mais en tout cas, on va dire cette composante, selon eux, qui fait partie de notre identité, de notre nature humaine, qui est celle d'avoir parfois cette pulsion de tuer, cet instinct de tuer. Et c'est présenté sous une forme extrêmement ironique, bien évidemment, extrêmement sarcastique et polémique. Mirbeau commence déjà, dès le frontispice, en fait, à tourner en dérision les personnages, à attaquer et décrédibiliser les institutions. Et puis il montre que voilà, c'est une réunion en fait de personnes qui veulent théoriser et intellectualiser sur la violence, sur les rapports de domination. Et il montre que la société repose sur le crime, étant donné que c'est le crime en fait fait par la loi, et donc qui perd le nom de crime à ce moment-là, qui régit les sociétés humaines et qui fait qu'elles fonctionnent plus ou moins bien. Ce qui est bien évidemment totalement en contradiction avec les convictions de Mirbeau, qui lui en gros préfère un duel parce que c'est d'individu à individu en suivant une forme d'instinct et d'élan de liberté et de volonté propre à une société organisée par un pouvoir qui est en plus extrêmement violent, extrêmement injuste. Dès le frontispice, on aura en fait. Alors. En présentant ces personnages de manière extrêmement caricaturale et alors extrêmement caricaturale, j'irais peut-être pas jusque-là, un petit peu caricaturale parce qu'en fait ils sont quand même assez, on a l'impression qu'on pourrait les rencontrer, mais extrêmement
critique et sarcastique, on voit qu'il met en avant les inégalités hommes-femmes, la justice totalement injuste et totalement partiale, la société basée quand même sur en fait la loi de la violence et la loi du plus fort, et également la domination par la religion, entre autres choses. Et dès le début, on a aussi Eros et Thanatos qui sont liés, qui est quand même quelque chose qui va revenir à de nombreuses reprises. Mais là où c'est quand même un petit peu difficile, c'est qu'en fait, et ça on va le voir après encore plus avec les différents personnages, il est parfois difficile de savoir ce qui relève de l'ironie qui dénonce et de l'ironie qui est plutôt là pour montrer parfois l'opinion de Mirbeau. Parce que certains personnages peuvent tenir des propos qui sont totalement en contradiction avec les valeurs et les convictions de Mirbeau, et l'instant d'après peuvent par contre épouser les opinions de Mirbeau. Et c'est pour ça que c'est assez surprenant. Et c'est notamment dans le frontispice en fait qu'on découvre notre narrateur, qui est un narrateur plutôt anonyme. On n'a pas de nom, on ne sait pas trop qui il est. Donc on a une énonciation qui est plutôt inclusive, étant donné qu'on est sur une focalisation interne, avec, c'est-à-dire un narrateur qui est un personnage qui fait partie de l'histoire, qui en plus, de façon assez classique en termes d'écriture, semble nous inclure dans ce cercle, parce que nous aussi on va être là et nous aussi on va assister au récit de ses aventures, mais on ne sait pas du tout qui c'est. Et puis il y a aussi ce côté un petit peu, alors là, bon, c'est pas en fait un élément très très, comment dire, c'est pas un élément positif en soi, hein, mais si vous avez fait attention quand même au frontispice, je trouve qu'il y a des, il y a une alternance en fait dans l'écriture, il y a quelque chose qui est un petit peu presque contradictoire, c'est qu'il y a des tentations d'oralité. Parfois, voilà, il essaie de faire parler ses personnages de façon assez orale, de retranscrire en tout cas le caractère oral de leur échange, mais en fait ça échappe pas à une forme assez exposée, c'est-à-dire qu'on a vraiment chaque personnage qui parle de manière assez longue, chacun à son tour, etc., avec donc de longues prises de parole, avec de nombreux faits très précis, donc des faits historiques, des éléments géographiques qui sont, voilà, qui en fait ne relèvent pas du tout de la conversation. C'est pas comme ça qu'on fait la conversation en général. Donc on voit que, si vous voulez, entre ce gros paratexte et entre ces grosses ficelles qui parfois sont tirées, on sent bien que Mirbeau a pas cette volonté, comme l'aurait Zola par exemple, vous voyez, de présenter un roman qui a l'apparence d'un roman. Je ne sais pas si c'est très clair. Ou l'apparence d'un roman tel qu'il est perçu au 19e. Il n'y a pas cette volonté d'avoir un narrateur absent, comme chez Flaubert, même si c'est en fait présent, mais invisible, mais présent partout. Il n'y a pas cette volonté de s'effacer, d'oublier, de faire oublier au lecteur et à la lectrice qu'on est en train de lire un texte écrit. Pas du tout. Et donc, il y a un certain refus, presque aussi, des normes d'écriture de l'époque. C'est en ça que le frontispice est plutôt intéressant, même si c'est un texte qui, de toute manière, est intéressant en soi, étant donné qu'à la base, il était indépendant. Il fonctionnait tout seul, bien évidemment. Et, oh merci Vinouchka, c'est hyper gentil. Merci beaucoup. Oui, on va y arriver justement, Catherine. Et si vous vous souvenez, si vous étiez là peut-être, lors du live avec Redek, on avait effectivement mentionné que ce frontispice était quand même un petit peu inspiré, ou en tout cas que ça ressemblait à une des nouvelles ou un des contes cruels de Villiers de l'Isle-Adam qui s'intitule « Le convive des dernières fêtes » et que ça rappelait aussi un petit peu, pardon, un des épisodes du conte de Monte-Cristo. Donc, moi je pense que cette partie-là, elle est extrêmement importante en fait, cette partie sur la structure du texte. Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, ça montre une ambition littéraire et d'écriture qui est presque avant-gardiste pour son époque. Il rompt vraiment avec le roman, tel qu'il est conçu de manière traditionnelle.
Ensuite, c'est aussi une forme d'avertissement assez subtil qui nous est donnée, c'est-à-dire ça nous interroge que sommes-nous en train de lire, que devons-nous considérer comme l'œuvre réelle, que devons-nous prendre au sérieux et à quelle distance doit-on se tenir de l'œuvre. C'est comme un avertissement en fait sur les doubles sens assez fréquents qu'il va y avoir lors du roman. Et puis mine de rien, si on se penche, ça forme un texte assez hybride, un texte assez hétéroclite, un texte assez disparate. Et en fait, le texte hybride, le texte composé comme ça, de manière assez surprenante, de manière assez, comme je vous l'ai dit, chaotique, c'est un texte qui montre du désordre au sein de ce qui pourrait normalement être ordonné et ce qui a l'apparence de l'ordonner. Et c'est donc un texte qui est monstrueux. Alors là, vous vous dites que je vais très loin. Mais en fait, si vous tapez monstre, si vous regardez la définition de monstre et l'étymologie de monstre, ne serait-ce que sur Wikipédia, en fait, monstre, à la base, ça veut dire montrer. Et c'est quelque chose qui est anormalement constitué et quelque chose qui, comme je viens de vous le dire, installe du désordre dans l'ordre. C'est aussi là, en fait, la puissance de l'écriture et la puissance du génie et de l'imagination qui, justement, va créer ce désordre dans l'ordre. Et avoir un texte monstrueux dans sa construction pour mettre en avant et mettre en scène et servir, en fait, de scène à des personnages qui sont eux aussi monstrueux. Parce que ce sont aussi des personnages extrêmement complexes, bourrés de paradoxes, assez repoussants par moments. Et puis, mettant en scène les violences qu'on connaît ou les violences que vous lirez dans la seconde partie, en fait, il y a une sorte d'exploitation de la figure du monstre, mais à tous les niveaux, de manière très subtile, de manière très métalittéraire, de manière très stylistique, et puis de manière extrêmement thématique, en fait. Et malgré tout, malgré le côté extrêmement original, malgré le côté extrêmement hybride, très surprenant, et les sujets traités, bah, ce texte, il a connu en fait un grand succès à sa parution. Dites-moi si je vous perds ou si je raconte n'importe quoi. Bon, et par ailleurs, de toute manière, on ne peut pas non plus écarter l'idée que cette construction-là, du roman, ça s'inscrit dans le décadentisme de l'époque. Mirbeau n'est pas un auteur décadent en soi, mais il n'est pas imperméable au décadentisme, d'accord? Vu que le décadentisme, c'est quand même la déconstruction, etc. Et c'est pas non plus étranger quand même à l'anarchisme en soi, bien évidemment. Et puis alors, on a parlé du fait qu'effectivement, et là je pense que vous êtes tous et toutes d'accord avec moi pour dire que voilà, dès le frontispice, on voit le côté polémique. Alors, on peut préciser hein, que polémique et ironique, c'est pas forcément la même chose. Hein. Polémique, il y a une dimension beaucoup plus forte de revendication et il y a une dimension plus ambitieuse. Quand on est dans la polémique, on s'attaque très souvent aux institutions, d'accord? Et il y a une pensée presque politique, entre guillemets, derrière. Donc on a des moments ironiques, des moments polémiques, on a des moments assez réalistes, voilà, qui, somme toute, sont pas non plus très, très différents, par contre, là, de ce qu'on pourrait trouver dans Zola. Je pense que le début de En mission, où on a toute cette description, voilà, de l'enfance et de l'adolescence du narrateur, où il y a ces descriptions de la politique, des relations, des salons, on est quand même dans quelque chose d'assez réaliste. On pourrait avoir l'impression, par moment, de lire un petit peu Zola. D'ailleurs, Zola, il y a quand même le personnage de Gênes qui y fait référence assez clairement. Donc on a des registres polémiques, on a des moments très ironiques, on a des moments très réalistes, tout ce qu'il y a de plus classique, et puis on a des moments aussi très lyriques, qui sont plutôt vers la fin, justement, quand il est sur le bateau. Je vous ai noté un passage, par exemple, où le mot lyrisme, je crois, est utilisé. Non. Par exemple, dans mon édition, désolé, hein, du coup, on n'a peut-être pas toutes et tous la même édition, mais dans mon édition, c'est En mission, le chapitre 6,
On a « Oh, l'ironie des attendrissements d'amour, oh, la comédie des enthousiasmes qui sont dans l'âme humaine, bien des fois, près de Clara, je crus à la réalité, à la grandeur de ma mission, que j'avais en moi le génie révolutionné de toutes les embryologies, de toutes les planètes de l'univers. » Il y a beaucoup de, voilà, de moments, en fait, justement, vers la fin avec Clara, où il y a une forme de lyrisme. Donc ça aussi, hein, c'est le côté assez hybride de l'œuvre. Cette alternance, en fait, entre différents registres qui cohabitent, plus ou moins bien d'ailleurs, qui sont assez déroutants. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça vous aussi, mais les moments un petit peu plus lyriques où il est sur le bateau, où il parle de l'amour avec Clara, c'est quand même assez... Au début, ça prend un peu par surprise quand même. Non, ce n'est pas une coïncidence. En tout cas, pour moi, Flaubert & Co, ce n'est pas une coïncidence. Oui, c'est ça, l'arrivée à Ceylan. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Qui est donc le Sri Lanka. Donc c'est même pas forcément toujours extrêmement fluide. C'est exactement ça, Aragon, en fait. C'est qu'avec Mirbeau, tu n'es jamais sûr. De savoir si ces moments lyriques sont des insertions, effectivement, tout à fait à prendre au premier degré. Si elles sont à prendre à la fois au premier degré, mais également teintées d'ironie, ou si elles sont complètement ironiques. Pour ma part, je pense qu'elles ne sont pas complètement ironiques. Et je pense que ce qui permet de le dire, c'est que... Il y a quand même cette relation exploitée assez fortement entre ces deux personnages et que en plus, comme on l'a vu, ça correspond un petit peu à la vie de Mirbeau. Donc c'est à la fois ironique dans le sens où c'est un regard assez désabusé, hein. C'est pas du tout « waouh, c'est super l'amour, j'y crois », mais c'est de réels élans du personnage en tout cas. Oui, alors je suis désolée parce qu'en fait j'ai vraiment... essayer d'être structuré. Donc je vois plein de choses que vous dites qui ont, je vais en parler. Donc pour que ce soit plus clair pour tout le monde, j'ai essayé d'être structuré, mais je pense que c'est un petit peu frustrant aussi pour vous peut-être. Alors est-ce que ça nous prépare à l'histoire et ça nous donne un prisme? Je pense que oui et non. Oui, parce qu'effectivement ça éclaire et ça préfigure ce qui va suivre. C'est un avant-goût dans un sens, mais non parce que elle n'a pas été, enfin le frontispice n'a pas été pensé comme tel, si, vu qu'il était indépendant à la base. Je ne sais pas si c'est très clair. Et puis il y a aussi des moments assez marqués par le symbolisme. Il y avait une, il y en a beaucoup, hein, mais il y a des références à Baudelaire. Quand même assez fréquente. Puis il y en a une qui est très très claire, justement pareil à la page 113. Je ne sais quelle secrète correspondance. Bon, c'est assez évident quoi quand même. Donc là, on a parlé de la biographie de Mirbeau, on a parlé de la structure du texte. Et maintenant, j'aimerais, enfin, je vous propose en tout cas de parler des personnages. Et de commencer par le narrateur. Le narrateur qui est quand même... un narrateur très particulier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse peut-être un petit peu me dire ce que vous avez ressenti ou ce qu'il vous inspire. Moi, j'ai plusieurs choses à dire sur le narrateur, mais je serais curieuse de savoir ce qui vous a frappé en premier ou ce qui vous vient là en premier à son sujet.
Alors, un homme un peu pathétique. Alors effectivement, il a de nombreux côtés pathétiques. Fait penser à Bellamy, paraît clairement antipathique. Ouais. On dirait que ça va être un roman initiatique. Alors c'est intéressant, Héloïse, ce que tu dis sur le roman initiatique. Ah, il me paraît toujours sous la coupe de quelqu'un. Eugène ou Clara, il n'est pas antipathique pour moi. Alors. En fait, moi, je trouve que ce qui est marquant sur ce narrateur, c'est premièrement Vénus, on est d'accord. Justement, il y a des passages qui sont très très au cœur des ténèbres. Un anti-héros, ouais, un peu malsain, oui. Alors déjà, bon, je pense que ça, vous l'aurez compris, le fait que les trois parties en fait aient été publiées. Indépendamment et, à des et sans volonté, enfin sans unité à la base, ça fait qu'en fait on a presque l'impression d'avoir trois narrateurs et pas un seul narrateur. Si vous confrontez le narrateur du frontispice, qui est d'ailleurs, tout à l'heure je suis allée un peu trop vite, mais en fait dans le frontispice, on n'a pas une focalisation interne. Enfin, on a une focalisation interne, mais en réalité. C'est pas vraiment la même narration, la même focalisation que le reste, où effectivement c'est cet homme à la figure ravagée qui parle. Et donc cet homme à la figure ravagée du frontispice semble très différent de l'homme qu'on découvre en mission. Et si vous avez avancé dans la lecture de la seconde partie, les deux semblent également très différents de l'homme dans le Jardin des Supplices. Donc on a presque trois narrateurs qui en fait sont tous aussi fuyant et presque incernable. Effectivement, enfin, effectivement, ce narrateur est plutôt antipathique, a des côtés extrêmement pathétiques, extrêmement ambivalents, des côtés malsains. On s'interroge aussi, en fait, sur le fait que c'est un personnage qui, en réalité, est toujours dans une position de dominé. Et puis c'est aussi un personnage qui a des élans poétiques. Ça, c'est assez intéressant, assez original, assez singulier. À plusieurs reprises, voilà, il va être présenté comme un personnage qui a des élans poétiques, qui a une soif de poésie, une faim de poésie. Bref, c'est un narrateur très, pour moi, insaisissable. Mais effectivement, c'est un narrateur qui n'est pas sympathique. En tout cas, c'est un narrateur qui n'est pas rassurant. Et donc, on se retrouve plongé là dans un roman extrêmement déconcertant, qui va devenir très violent, qui est très bouleversant et qui est dans une forme d'amoralité. Parce que si Mirbeau ne croit pas à la justice et dénonce en fait l'hypocrisie de la justice, il convoque pas non plus la moralité. Je suis entièrement d'accord. On dirait qu'il est à la fois dans l'histoire et en dehors de l'histoire. Mais c'est aussi justement ce côté à la fois dans l'histoire et hors de l'histoire. Merci Nabolita, j'allais le faire. Ça interroge sur la réalité, mais ça je préférerais qu'on en parle lors du prochain live. Cette attitude un peu ambiguë, un petit peu insaisissable et incompréhensible, cette sensation d'être à la fois extrêmement détaché et puis à la fois extrêmement impliqué, ces moments de grand lyrisme et puis ces moments effectivement d'indifférence un petit peu acerbe, ça interroge sur la réalité de ce personnage, sur la réalité de ce qu'il voit, de ce qu'il vit et sur sa crédibilité. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce narrateur? Parce que c'est quand même une des grandes questions de l'écriture et des romans. Comment À quel point fait-on confiance à un narrateur? Comment doit-on comprendre et recevoir ce qui nous est transmis par le narrateur? Est-ce que c'est un narrateur fiable? Et là, c'est une question qui se pose vraiment.
parce qu'en plus, c'est trois, quand même, figures assez différentes du narrateur. Les faits sont rapportés d'une façon assez classique, mais ce qui nous est rapporté, par contre, n'est pas du tout classique. Donc ça, c'est assez important. Et nous, on est là, dans ce récit absolument violent, absolument déstabilisant, absolument amoral, sans guide. Parce que ce narrateur, c'est pas du tout un guide. Donc on est très autonome, mais on est surtout confronté, en fait, à l'écriture et à l'imagination, sans aide. Je sais pas si vous avez aussi ressenti ça, mais je trouve que l'écriture de Mirbeau, en tout cas dans le Jardin des Supplices, beaucoup moins, je trouve, dans le Journal d'une femme de chambre, c'est une écriture qui ne nous aide pas du tout. C'est pour ça qu'en fait, parfois, c'est difficile de discerner ce qui relève de l'ironie mordante, de la dénonciation, de l'interrogation, de la mise en scène, de la réelle prise de parole d'un auteur à travers des personnages. Parce qu'on n'a pas de guide. On n'a pas vraiment un référentiel stable. On a quelques moments où le personnage, le narrateur en tout cas, fait un portrait moral de lui-même. Par exemple, à la page 77, pour celles et ceux qui ont la même édition que moi, et dans, dans la partie 2 de En mission, pour celles et ceux qui n'ont pas la même édition, on a « La persévérance dans le mal est ce qui m'a le plus manqué. Non que j'éprouve de tardifs scrupules de conscience, des remords, des désirs passagers d'honnêteté. C'est en moi une fantaisie diabolique, une talonnante et inexplicable perversité, pardon, qui me force tout d'un coup, sans raison apparente, à délaisser les affaires les mieux conduites, à desserrer mes doigts de dessus les gorges les plus âprement étreintes. Avec des qualités pratiques de premier ordre, un sens très aigu de la vie, une audace à concevoir même l'impossible, une promptitude exceptionnelle même à le réaliser, je n'ai pas la ténacité nécessaire à l'homme d'action. Peut-être, sous le gredin que je suis, y a-t-il un poète dévoyé ? Peut-être un mystificateur qui s'amuse à se mystifier soi-même. » Et alors cette phrase est très très importante. Merci Jérémy. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est hyper gentil et ça me touche vraiment. Merci à vous, vraiment. Oui, Héloïse, mais on en parlera, mais je te comprends parce que c'est hyper intéressant. Ça offre une toute autre lecture. Aragon, on est d'accord. Et là, alors, bon, c'est difficile de ne pas en parler et d'en parler en même temps, mais cette phrase, peut-être un mystificateur qui s'amuse à se mystifier soi-même, elle est quand même importante, justement. Quand on est là, plongé dans un roman où on sait qu'on va faire un très long voyage, un voyage à la fois géographique et réel, et puis un voyage... Merci Amandine, merci beaucoup, vous êtes super gentille et gentille. Ça me fait très plaisir, vraiment. Et on sait qu'on va faire aussi une forme de voyage esthétique, on va faire un voyage presque, j'ai envie de dire, psychologique, parce qu'il y a quand même de nombreux côtés qui sont dans ce roman à la frontière avec des réflexions sur, vraiment sur la psychologie, mais au sens clinique presque. Et là, quand on nous dit peut-être un mystificateur qui s'amuse à se mystifier soi-même, on se dit, est-ce qu'on est prêt et prête, comment on se sent là à faire ce long voyage avec quelqu'un qui vous dit « peut-être que je suis un menteur, un mystificateur, qui aime se mentir à soi-même. » Et donc nous mentir, bien évidemment aussi. Même si mystificateur, c'est quand même pas menteur. Mais il y a cette idée-là. Et puis, un poète dévoyé. Pourquoi est-ce que Mirbeau choisit de faire de ce narrateur le poète dévoyé ? Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, ça n'a pas... Bon là, je vous spoil un peu, mais c'est pas non plus un élément très important d'intrigue, mais ça n'a pas grande place, en fait, dans le roman, le fait que ce soit un personnage qui a des velléités poétiques. Merci Nat, merci beaucoup. Mais je sais pas ce que vous avez ce soir, mais merci beaucoup. J'ai trouvé ça bizarre dans la partie mission que l'on en apprenne plus, que l'on apprenne plus l'histoire d'Eugène que celle du narrateur. Et avec Clara, elle dit à un moment que leur rencontre n'était pas due au hasard. Oui, alors je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas sûre pour le coup. Je trouve pas qu'on en apprenne vraiment plus sur Eugène que sur le narrateur.
Je trouve qu'on en apprend à peu près enfin, partie équivalente, égale. Après, c'est aussi plus intéressant pour d'en apprendre sur Eugène, étant donné que c'est celui qui a le plus de pouvoir. Mais quant à la déclaration de Clara, moi, j'y vois vraiment, en tout cas, voilà, l'un des aspects de ce personnage qui est quand même très mystique. Et puis le côté un petit peu la damnation, effectivement, le fait qu'on ne puisse pas y échapper. Et puis, c'est aussi quelque chose que le narrateur se plaît un petit peu à penser, j'ai l'impression. Puis à la page 90, donc juste un peu plus loin, on a aussi un moment d'introspection qui est... Alors attendez. Ok, cool. Donc, on a un autre moment à la page 90 qui est un moment d'introspection de la part de ce personnage et qui, moi, m'a fait penser à Dostoïevski. Je ne sais pas si d'autres personnes seront d'accord avec moi. Qu'allais-je donc devenir? L'avenir m'apparaissait plus triste et plus désespérant que les crépuscules d'hiver qui tombent sur les chambres de malades. Merci Nabolita, c'est super gentil. Et tout à l'heure, après le dîner, quelle nouvelle infamie l'infâme ministre me proposerait-il? Dans quelle boue plus profonde et dont on ne revient pas? Voudrait-il m'enfoncer et me faire disparaître à jamais? Donc là, voilà, on a ces données en fait depuis le début. On sait qu'on va avoir, alors justement, je reviens sur ce que disait Héloïse, je crois, sur le fait que ça peut être lu comme un roman d'initiation. Alors, c'est vrai que voilà, de suivre cette trajectoire en fait d'un narrateur ou d'un personnage, en tout cas d'un personnage qui va évoluer, à qui on confie une mission et qui va passer par différents cercles presque d'expérience et qui va prouver ses aptitudes, etc., qui va apprendre, découvrir. C'est vrai que ça fait penser au roman d'initiation. Toutefois, là, c'est quand même un petit peu différent, étant donné qu'en fait, c'est un personnage qui arrive après normalement le temps du roman d'initiation. Toute la partie, en fait, qui ne nous est pas contée, mais qui nous est relatée assez rapidement, voilà, sur le fait qu'il a tenté d'avoir une carrière en politique, qu'il s'est à chaque fois raté, qu'il a été rattrapé, etc., ça pourrait être le récit d'initiation. Là, on est sur une période un peu plus tardive et sur quelque chose qui... lui échappe complètement et où il n'est pas très actif en fait. Donc c'est vrai que ça contrevient, enfin ça s'oppose un petit peu à l'idée du roman d'initiation qu'on a. C'est presque un roman plutôt de perdition qu'autre chose. Le mot boue revient, oui. Il y a plusieurs mots qui reviennent assez souvent, dont certains que je ne saurais pas trop interpréter. Il y a quand même les... Alors, on en parlera la semaine prochaine. Mais sur le bateau, il y a plusieurs fois les fées aussi qui sont mentionnées. Et c'est assez surprenant parce que ça correspond quand même pas trop au reste du texte. Mirbeau est pas du tout un auteur qui a des affinités avec le fantastique. Voilà. Donc c'est assez intéressant, mais on en reparlera la prochaine fois des fées peut-être. Merci. Sponge, merci beaucoup, c'est très très gentil. Ben, je vous remercie, écoutez, franchement, je suis très contente que le live vous plaise. Ça me fait très très plaisir en tout cas. Mais je pense que je vais pas réussir à tenir les 1h30. Ça va être un petit peu plus long. Je pensais pas que j'avais autant de choses à dire en fait. Mais apparemment, j'en ai quand même pas mal à dire. Pareil pour ce narrateur, toujours parce que je pense qu'il est important quand même de se pencher un peu sur lui.
on a ces élans poétiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui reviennent à plusieurs reprises. Donc les élans poétiques, juste je vous donne quelques exemples, je vous en ai donné un la dernière fois, page 77, mais page 128, 137, il y en a aussi, en tout cas dans mon édition, toujours. J'en étais maintenant à ce point de lyrisme sentimental que la seule vue d'un papillon faisait vibrer en moi toutes les harpes de la tendresse et de l'extase. En fait, vous voyez là ce qui est intéressant, c'est que, bien évidemment, on se dit, est-ce que Mirbeau se moque éperdument de ce personnage, vraiment? Est-ce que là, on est dans de l'ironie pure et dure? Est-ce que, en fait, non, c'est l'évolution du personnage, les fluctuations d'humeur du personnage qui nous sont retranscrites de manière assez neutre par l'auteur, qui veut peut-être par là nous montrer qu'effectivement, c'est un narrateur, ou en tout cas un personnage inconstant, un personnage qui se fait dominer parce qu'il est trop dans l'émotion. Ça concorde en fait avec la suite de l'intrigue et l'avancée de l'histoire. Ce qui vient aussi compliquer la chose, c'est que Mirbeau est très très sensible en fait à la nature. Mirbeau est très sensible à la faune, à la flore. Et dans ces rares passages, alors peut-être pas effectivement jusqu'à le pavillon faisait vibrer en moi toutes les harpes de la tendresse et de l'extase, mais en fait les moments où la nature est montrée comme une force positive, c'est les moments qui correspondent le plus aussi à la façon de voir le monde de Mirbeau. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué à comprendre. Justement, là, naviguer en fait entre les différentes lectures, c'est pas aisé. Alors, on peut passer à Eugène rapidement. Je sais pas si vous avez beaucoup de choses à dire sur Eugène. Moi, j'en ai pas énormément. Alors, effectivement, Eugène, bon, bah, les références à Zola, à la page 81, à la page 84, 84, on a la référence à Zola, hein, son excellence Eugène. À la page 81, on a... Académie des Arts, je suis pas sûre d'avoir compris ta question, si tu veux la reposer. À la page 81, on a une description quand même assez terrible, géniale, mais terrible d'Eugène. C'était du reste un charmant garçon. Oui, en vérité, un charmant garçon. Donc là, vous voyez quand même hein, la répétition, la phrase avec ces ponctuations là de virgule, le oui, en vérité, qui vient bien appuyer ces formules emphatiques là. On ne pouvait lui reprocher que des gaucheries dans le maintien, persistants vestiges de son éducation de province, et des détails vulgaires dans sa trop récente élégance qui s'affichait mal à propos. Mais tout cela n'était qu'une apparence dissimulant mieux, aux observateurs insuffisants, tout ce que son esprit avait de ressources subtiles, de flair pénétrant, de souplesse retorse, tout ce que son âme contenait de ténacité âpre et terrible. En fait, tout le contraire du personnage. Hein. Tout à l'heure, quand il se décrivait, il disait justement que lui, il était trop fantasque, en fait, qu'il changeait trop aussi, qu'il était incapable de s'investir et de mener à bien quelque chose, même s'il avait les idées perverses, malsaines. Il ne pouvait pas mener à bien ses projets. Pour surprendre son âme, il lui fallut voir, comme je l'ai vu, hélas, combien de fois, les deux plis qui, à de certaines minutes, en se débandant, laissaient tomber les deux coins de ses lèvres et donnaient à sa bouche une expression épouvantable. Ah oui, c'était un charmant garçon. Je trouve qu'elle est géniale, cette description. On est d'accord, un sentiment ambivalent de la part du narrateur vis-à-vis d'Eugène. Mais d'ailleurs, de la part d'Eugène aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'en fait, jusqu'à ce qu'ils aient cette discussion absolument horrible à la page... Je vais y arriver. À la page 94... où justement il lui dit « voilà, j'ai ce projet pour toi », on a vraiment l'impression que ce qui fait que Eugène s'intéresse encore au narrateur, c'est parce que, comme nous le dit le narrateur, hein, il a des informations compromettantes sur Eugène. Donc on s'imagine qu'effectivement, ils sont dans une relation qui est purement une relation d'intérêt et de préservation, où Eugène se contrefout totalement du narrateur, et bon, essaie de lui trouver des petits postes pour que... ouais, à la page 80, 81, j'avais écrit... Ah non, 80, ouais. 81 chez moi, non ? Ouais, chez moi, c'est 81, la curée. Voilà, on a l'impression que c'est uniquement pour que le narrateur n'aille pas raconter ce qu'il sait, que Jeanne s'occupe de lui. Sauf qu'en fait, lors de l'entretien
final entre les deux, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Et là, il y a vraiment ce dévoilement du personnage de Jen qui devient très, très imposant, en fait, très menaçant presque. Où il lui dit « Toi-même, tu crois pouvoir disposer de moi par la terreur, me faire chanter enfin, comme un banquier véreux. Tu es un enfant, raisonne un peu, ma chute. Qui donc, veux-tu me le dire, oserait, en ce moment, assumer la responsabilité d'une telle folie ? Qui donc ignore qu'elle entraînerait l'effondrement de trop de choses, de trop de gens auxquels on ne peut pas toucher plus qu'à moi ?» Sous peine d'abdication, sous peine de mort. Car ce n'est pas moi seule qu'on renverserait, ce n'est pas moi seule qu'on coifferait d'un bonnet de forçat. C'est tout le gouvernement, tout le parlement, toute la République associée, quoi qu'ils fassent, à ce qu'ils appellent mes vénalités, mes concussions, mes crimes. Ils croient me tenir, et c'est moi qui les tiens. Sois tranquille, je les tiens fermes. Donc en fait, on comprend que non. Le narrateur n'a aucune information vraiment réellement compromettante sur Eugène. Eugène ne craint pas le narrateur. Ça, chez moi, c'est à la page 94. C'est dans la partie 3 de En mission. Il y a plusieurs parties, en fait. Bon, c'est assez compliqué. Et donc, effectivement, ils ont une relation assez ambivalente, assez ambiguë. Ah! Académie des Arts, je pense pas, moi. Je pense que c'est un autre niveau de non-fiabilité. Mais on en parlera la semaine prochaine, justement. Donc, effectivement, relation assez ambiguë. Eugène, personnage expédié quand même assez rapidement, mais en fait, très bon outil pour Mirbeau pour décrier la politique et pour faire avancer son intrigue, concrètement. On a Madame G qui fait un petit peu penser à... Alors à un mélange un petit peu entre différents personnages, mais vu qu'on sort de la curée, ça fait un peu elle fait un peu penser à Sidonie, cette entremetteuse, cette femme fanée, toute aigrie, qui elle ne vit pas de relation et qui donc les vit par procuration. Ouais. Mais c'est ça en fait, Eleonora. Dans ce passage, c'est... Alors c'est horrible, mais c'est tellement vrai, c'est-à-dire que... Là, en fait, Eugène lui dit « Oui, je ne suis pas le plus grand politicien, je ne suis pas l'homme le plus important, mais en fait, si on me fait tomber, on ne peut pas me faire tomber, parce que je fais partie d'un tout, et de moi jusqu'au plus haut, ce sont les mêmes pratiques, ce sont les mêmes ententes, ce sont les mêmes accords, et donc je suis protégée, en fait. Pas parce que j'ai un poste important, mais parce que je suis rentrée dans ce moule, en fait. » Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, Mirbeau le dit très bien, que... Alors selon lui, hein, mais bon voilà, les hommes politiques, et alors je dis hommes parce que bien évidemment il n'y a pas de femmes, hein, les hommes politiques qui sont fragiles ou qui sont vulnérables ou qui peuvent être attaqués, c'est les hommes politiques qui ont le défaut d'avoir un peu d'honnêteté. Il le dit très clairement. Hein. Et bien il le dit d'ailleurs à la page 94, il dit « L'honnêteté est inerte et stérile, elle ignore la mise en valeur des appétits et des ambitions, les seules énergies par quoi l'on fonde quelque chose de durable. » La preuve, c'est cet imbécile de Favreau, le seul honnête homme du cabinet et le seul aussi dont la carrière politique soit de l'aveu général, totalement, et à jamais perdu. Voilà. Et donc on peut passer au personnage de Clara, si vous voulez. Alors là, je pense que il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et là, je vais être honnête avec vous. Comment dire, je serai en mesure de parler davantage et avec plus de détails et de manière plus intéressante, je pense, de ce personnage la semaine prochaine. Là, j'ai quand même quelques petites choses à vous dire, mais je ne suis pas allée en grand détail dans le personnage de Clara. Donc... Chapitre 4, ou partie 4 de En mission, on a le départ, bien évidemment, étant donné que, rappelons-le quand même, pour échapper en fait à sa déchéance politique et de statut en France, le narrateur accepte de se faire passer pour un savant qui doit aller étudier je ne sais plus trop quoi dans les eaux autour de Ceylan, qui est donc l'actuel Sri Lanka, même s'il n'est pas du tout savant.
Comme il n'est pas du tout savant, et là encore l'ironie mais mordante de Mirbeau, il nous dit que justement, vu que ce n'est pas une vraie expédition et qu'il n'est pas un vrai savant, il arrive à obtenir plus de fonds que ne le ferait un vrai savant menant une vraie étude. Et il s'embarque. Il s'embarque. Il embarque. Et d'ailleurs, il embarque aussi grâce à l'argent d'une femme, la jeune comtesse roumaine, qui l'aide grâce à sa bourse. D'ailleurs, voilà, il nous le dit. Ses libéralités, c'est-à-dire le fait d'avoir eu beaucoup d'argent pour sa mission, ces libéralités insolites, je les devais sans doute à cette circonstance que, n'étant point du tout un savant, j'avais plus que tout autre besoin de plus grandes ressources pour en jouer le rôle. Alors là, vous voyez, on est vraiment dans de l'ironie totale, bien évidemment. Et dès le début, en fait, dès le début, alors que on n'est même pas une page, en fait, dans ce départ, Mirbeau annonce tout de suite la critique de la colonisation, du colonialisme, de la fétichisation, de l'exotisme. On a tout de suite la description d'un fantaisiste et riche anglais qui entretient une sorte de harem où sont représentés en de parfaits exemplaires féminins toutes les races de l'Inde, depuis les noirs tamouls jusqu'aux serpentines bayadères du Lahore et aux bacchantes démoniaques de Bénarès. Je me promis bien de trouver un moyen d'introduction auprès de ce polygame amateur et borner là mes études d'embryologie comparée. Voilà. Alors, je précise, mais je pense que ici, on est toutes et tous... enfin, on le sait, mais voilà, selon qui lit ou voilà. Il ne faut vraiment pas, par contre, prendre au sérieux ou prendre comme étant les opinions de Mirbeau ce qui nous est dit sur les peuples non européens et l'utilisation de certains mots et même les descriptions des femmes. Ce n'est pas du tout les opinions de Mirbeau. Loin de là. Mirbeau s'est engagé contre la colonisation. Il a dit que ce serait l'une des plus grandes hontes de notre histoire, contre la colonisation pardon, en Algérie. Donc voilà. Et même au niveau des femmes, malgré ses expériences plutôt désastreuses dans sa vie personnelle, Mirbeau a toujours eu, dans ses écrits en tout cas, une conscience des difficultés propres aux femmes. Voilà. Et puis à la page 103, justement, c'est Eugène et le narrateur qui se quittent, parce que le narrateur s'en va. Et là, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même assez... En tout cas, on le remarque. La phrase de fin du chapitre 4. Durant quelques minutes, tous les deux, nous fûmes le jouet inconscient et comique de notre propre mystification. Voilà. Donc là, il parle en fait du fait qu'ils sont émus, tous les deux, de se dire au revoir et qu'ils y croient. Voilà. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais on peut se demander si réellement pas du tout. Et puis, il y a le terme de mystification qui revient, comme on l'a vu tout à l'heure. Et immédiatement après, page 103, on a l'apparition de Clara, qui est un personnage bien évidemment déterminant, pivot dans ce roman, étant donné que Clara, c'est le personnage qui domine, c'est le personnage qui initie, et c'est aussi, et c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, de manière surprenante et de manière... alors ça n'est pas toujours le cas. C'est l'un des personnages qui reprend souvent les propos de Mirbeau. En fait, elle cite parfois même, alors elle cite pas, mais si vous voulez, Mirbeau réutilise certains extraits de ses propres articles dans la bouche de Clara. Donc Clara, c'est un personnage extrêmement ambigu, extrêmement complexe et qui a de multiples facettes. C'est pas du tout uniquement le personnage négatif, mauvais, diabolique, démoniaque. C'est bien plus intéressant et bien plus complexe que ça. Même si, effectivement, quand elle apparaît, elle n'inspire pas non plus exactement la confiance. Une surtout attira violemment mon attention. C'était une créature. Déjà, c'est pas une femme, c'est une créature. C'était une créature merveilleuse, avec de lourds cheveux roux et des yeux verts pailletés d'or, comme ceux des fauves. Elle voyageait accompagnée de trois femmes de chambre, dont une chinoise. Et puis,
Le capitaine nous dit, c'est une Anglaise, on l'appelle Miss Clara, la femme la plus extraordinaire qui soit. Bien qu'elle n'ait que 28 ans, elle connaît déjà toute la Terre. Pour l'instant, elle habite la Chine. Elle est très riche. Son père, mort depuis longtemps, fut, m'a-t-on dit, vendeur d'opium à Canton. C'est même là qu'elle est née. Elle est, je crois, un peu toquée, mais charmante. Voilà ce qu'on apprend, donc, du personnage de Clara. Alors, concrètement, hein, physiquement, d'ailleurs, on vous le dit dans les notes, dans cette édition, elle n'a rien d'original, en fait, pour l'époque. Elle ressemble presque même à un type féminin. Elle ressemble à certaines des héroïnes de Barbé d'Aurevilly. Si vous avez lu... Ah, comment il s'appelle? Je l'ai lu l'année dernière, en plus. Ah, Histoire diable... Non. Oui, Les Diaboliques, pardon. Si vous avez lu Les Diaboliques de Barbé d'Aurevilly, il y a des femmes qui sont exactement comme ça, avec les mêmes yeux. Et puis, elle fait aussi quand même penser à la sorcière. D'accord ? Par le fait qu'elle soit associée, qu'elle soit rousse, qu'elle a des yeux de fauve, donc associée au chat. Et puis par la suite, on verra qu'elle donne à plusieurs reprises au narrateur, mais ça c'est dans la deuxième partie, mais je vous le dis pour appuyer mon propos quand même. Elle donne à plusieurs reprises au narrateur des petites pilules de différentes plantes pour différentes occasions, donc pour le remonter un petit peu, lui redonner de l'énergie, l'aider à avoir plus d'endurance, etc. Donc elle maîtrise les plantes. Donc elle est rousse, elle est associée au chat, elle maîtrise les plantes, elle vit seule. Elle est très proche de la figure de la sorcière. Et effectivement, Eleonora, c'est une femme émancipée. C'est-à-dire qu'elle voyage seule, elle n'est pas mariée, elle a son propre argent, elle a sa propre façon de vivre, elle discute avec les hommes très librement, il n'y a pas du tout... C'est pas un personnage féminin typique non plus. Par contre, là où ça devient un peu plus négatif, effectivement, et c'est toujours ça, il y a un pendant toujours un petit peu sombre, c'est que oui, c'est une femme émancipée, mais en fait, c'est une femme émancipée parce qu'elle domine les autres. Donc c'est pas une émancipation totalement lumineuse et positive hein, quand même. C'est un personnage qui vit, et puis c'est une Anglaise. Alors, vous allez vous dire, c'est quoi ton problème avec les Anglaises? Mais c'est pas anodin non plus. Mirbeau, là, il nous donne un personnage français et une personnage anglaise qui vont tous les deux en Chine pour dénoncer... Enfin, les personnages ne vont pas faire ça, mais Mirbeau fait ça pour dénoncer, entre autres choses, bien évidemment, la colonisation. Bon, les grandes puissances coloniales qui étaient la France et l'Angleterre n'ont pas été choisies au hasard, vous vous en doutez. Et l'Angleterre, c'était vraiment le grand empire britannique, n'est-ce pas, sur les mers. Et donc, Clara, c'est encore une fois un personnage très particulier, parce que, bon ça, c'est pas du spoil, mais c'est elle qui va initier le narrateur aux tortures, c'est elle qui va adorer ce spectacle. Mais c'est aussi elle qui, très souvent, va critiquer l'Europe, va critiquer l'hypocrisie européenne et va critiquer les entreprises de colonisation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un personnage qui est, pour le coup, vraiment très paradoxal. Le côté toqué fait sens pour une dénonciation plus tard parce que j'ai pas bien compris le choix d'inclure cet élément dans sa description. Ben, je pense que, alors là, effectivement, ça rejoint Catherine qui nous dit que c'est un portrait vu de l'extérieur. Je pense que là, c'est une volonté de Mirbeau, non pas de nous faire comprendre qu'elle est vraiment toquée, mais de nous faire voir comment les hommes, lambda, tels que le capitaine, voient des femmes comme Clara. C'est-à-dire des femmes seules, des femmes flamboyantes, des femmes qui fréquentent des hommes, c'est-à-dire qui parlent normalement avec elles, qui n'ont pas de chaperon, etc. Avec eux, qui n'ont pas de chaperon, etc. Elle est toquée parce qu'elle est excentrique. Elle est toquée parce qu'en fait, c'est une femme qui ne respecte pas ce qu'une femme devrait faire. Je pense que c'est dans ce sens-là que Mirbeau l'utilise, surtout, et aussi pour quand même dire que voilà, elle est un petit peu particulière. Et je pense quand même que,
En tout cas, dans sa relation au narrateur, c'est inspiré de la vie de Mirbeau et des états dans lesquels il s'est trouvé avec certaines des femmes qu'il a rencontrées, et notamment avec cette femme qu'il a vraiment... J'ai oublié comment elle s'appelait. Judith, je crois. La femme, je vous ai dit, qu'il a vraiment énormément blessé, quoi. Et ça fait vraiment bizarre dit comme ça, mais à cause de qui il s'est exilé pendant un certain temps sur son bateau, là. À la page 110, on a une autre description de Clara, un portrait de Clara qui est un petit peu plus détaillé. Donc on va le lire rapidement. Comme me l'avait appris le capitaine, Miss Clara rentrait en Chine après avoir partagé tout son été entre l'Angleterre pour ses intérêts, donc pour l'argent, l'Allemagne pour sa santé et la France pour son plaisir. Elle m'avoua que l'Europe la dégoûtait de plus en plus. Elle ne pouvait plus supporter ses mœurs étriquées, ses modes ridicules, ses paysages frileux. Elle ne se sentait heureuse et libre qu'en Chine. D'allure très décidée, d'existence très exceptionnelle. Ça, c'est assez... Enfin, c'est pas commun non plus, je trouve, comme type d'écriture. D'allure très décidée, d'existence très exceptionnelle. Causant parfois à tort et à travers, parfois avec une vive sensation des choses, d'une gaieté fébrile et poussée à l'étrange... Sentimentale et philosophe, ignorante et instruite, impure et candide, mystérieuse enfin, avec des trous, des fuites, c'est ça qui est très bizarre, hein, des caprices incompréhensibles, des volontés terribles. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans ce personnage insaisissable, encore une fois. Elle m'intrigua fort, bien qu'il faille s'attendre à tout de l'excentricité d'une Anglaise. Et je ne doutais point des labors, moi qui, en fait, de femme, n'avais jamais rencontré que des cocottes parisiennes, et ce qui est pire, des femmes politiques et littéraires. Donc là, vous voyez, c'est vraiment l'ironie, hein, étant donné que... Enfin, c'est ironique parce qu'on sait que Mirbeau a défendu notamment le droit des femmes à une émancipation, à une certaine indépendance. Il s'est marié avec une femme de lettres, une femme qui a été prostituée, etc. Mais c'est aussi... alors, il y a une forme de contradiction entre la vie de Mirbeau, sa vie purement personnel et ses engagements, ses convictions. C'est-à-dire que, par contre, dans sa vie personnelle, effectivement, il a pu critiquer à certains moments les comédiens, par exemple, ou le mariage. Alors, pas le mariage en tant qu'institution, parce que ça, effectivement, c'est pas non plus quelque chose qui l'a défendu, mais en tout cas, l'amour, parce qu'il souffrait énormément dans sa vie personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans un cadre personnel, il a parfois été ce genre de personne, c'est-à-dire à dire que ce genre de femmes, c'est affreux. Que de toute manière, les femmes, on ne peut pas vivre avec. Que l'amour n'existe pas. Et que la vie de couple, de toute manière, est forcément désastreuse. Parce qu'il souffrait beaucoup. Et de l'autre côté, en fait, lorsqu'il sort de sa vie personnelle et intime, et lorsqu'il est dans des revendications plus politiques, bon bah il a pas du tout il a pas du tout un discours misogyne, en gros, ce que je veux vous dire. Je ne doutais point que j'eusse facilement raison de celle-ci. Donc là, petite caractérisation bien qui va être bien démontée par la suite, étant donné qu'il y a un renversement en fait. Là, il est persuadé que c'est lui qui va avoir l'ascendant sur cette femme, alors que pas du tout. Et je me promis d'agrémenter avec elle mon voyage d'une façon imprévue et charmante. Rousse de cheveux, rayonnante de peau, un rire toujours prêt à sonner. Ses lèvres charnues et rouges. Elle était vraiment la joie du bord, et comme l'âme de ce navire, en marche vers la folle aventure et la liberté édénique des pays vierges, des tropiques de feu. Ève des paradis merveilleux, voilà, fleur elle-même, fleur d'ivresse, et fruit savoureux de l'éternel désir, je la voyais errer et bondir parmi les fleurs et les fruits d'or des vergers primordiaux. Donc là, il y a vraiment l'élan poétique, hein, n'est-ce pas, du narrateur qui ressort. Non plus dans ce moderne costume de piqué blanc qui moulait sa taille flexible et renflait de vie puissante son buste, pareil à un bulbe, mais dans la splendeur surnaturalisée de sa nudité biblique. Voilà. Et puis, à la page suivante, il continue en fait sur ce fantasme, sur cette illusion de l'amour qui est totalement déceptif parce que c'est pas du tout en fait quelque chose qui va... être bénéfique, bien évidemment, pour ce narrateur. Et il continue également
en disant « Grâce à ce pur contact quotidien, je gagnais, oui, je gagnais de l'estime envers moi-même. Toute la boue, justement, de mon passé se transformait en lumineux azur et j'entrevoyais l'avenir à travers la tranquille, la limpide émeraude des bonheurs réguliers. » Voilà. Là, il s'imagine vraiment que cette femme va lui apporter la rédemption, que cette femme est un remède. Et puis, la boue qui se transforme en azur, c'est pas très loin de la boue en or de Baudelaire. Et Clara, bien évidemment, n'est pas sans rappeler certains des personnages de Baudelaire. Enfin, des femmes de Baudelaire. Et oui, René dans sa robe dans la serre, je suis d'accord. Et puis même René la fleur, Clara la fleur, etc. Là où on voit dans cette première partie qu'effectivement, c'est un personnage très dominant... C'est lorsqu'on avance un petit peu plus, à la page 134, il y a ce que moi je considère comme le pacte, n'est-ce pas? Elle lui dit « Je t'apprendrai des choses terribles, des choses divines. Tu sauras enfin ce que c'est que l'amour. Je te promets que tu descendras avec moi tout au fond du mystère de l'amour et de la mort. » En tout cas, c'est pas un personnage qui est dissimulateur ou menteur. Elle ne cache pas du tout son attrait pour la mort, son attrait pour le sang, pour la violence, sa vision de l'amour. Hein, à plusieurs reprises, elle dit « Mais parler de la mort, c'est parler de l'amour. » Et le narrateur, il va en connaissance de cause, mais il y va terrassé en fait par sa beauté, il faut quand même bien se le dire. Oh là là, ce live est super long, je suis désolée, je me rends compte que ça fait déjà 1h30 que je parle et j'ai envie de vous parler encore des dénonciations quand même qui apparaissent dans cette première partie. Est-ce que vous voulez une pause pour aller chercher, quoi que vous pouvez vous déplacer comme vous voulez, c'est-à-dire pour vous chercher à boire ou à manger ou... Est-ce que vous tenez le coup? Parce que je sais que c'est long quand même, hein, 1h30 de live. Là, on est sur 1h40 quasiment. Non, 1h30, on va dire, parce que je suis arrivée un peu en retard. Allez, c'est parti. Donc, dans cette première partie, Mirbeau utilise l'ironie, le sarcasme, le registre polémique, comme je vous l'ai dit, à de nombreuses reprises. On a devant nous une dénonciation du colonialisme, d'une justice qui est partiale, du monde politique de son époque, de la chasse et de la violence, de l'organisation hiérarchique, verticale de la société, et de ce que la société fait du progrès et de l'humanité, de l'humanisme. Donc on va essayer de regarder ça un petit peu. Alors on a parlé quand même des passages sur le colonialisme, mais on va recommencer sur ça. Alors moi j'ai noté page 116-117, c'est dans la partie... bye bye Catherine. Alors c'est dans la partie 6 de En mission. C'est la page 116 pour celles et ceux qui ont la même édition que moi. C'est un passage horrible mais génial. C'est lorsqu'il y a la discussion entre Clara, l'explorateur, le narrateur. Il y a également deux hommes chinois, il me semble. Où Clara demande « Est-ce que vous avez vraiment mangé de la viande humaine ?» Charmante façon de commencer une conversation. L'explorateur lui dit que ben, il en a déjà mangé parce qu'il n'avait pas le choix. Elle continue en lui demandant s'il a mangé de la viande de... Alors je vais dire noire parce que certaines personnes pourraient être blessées par le fait que j'utilise le mot nègre. Même si je n'utilise pas moi, je cite le texte. Donc je vais utiliser noir, mais effectivement c'est pas noir qui est écrit dans le texte. Il lui dit que non, bien évidemment, qu'il ne manquait jamais de blanc. D'accord ? Et qu'un bon petit Allemand, c'était toujours une belle chose de faite, étant donné qu'ils étaient plutôt bons et qu'en plus, ça en faisait un de moins. Voilà. Donc, bien évidemment, hein, là, on est sur... alors, du... je sais même pas si on peut... C'est même pas du sarcasme, là. C'est vraiment... Mirbeau va très très loin, quand même, hein, pour la dénonciation.
y a une forme, bien évidemment, de cruauté évidente. Mais c'est pas anodin, en fait, justement. C'est un renversement. C'est-à-dire que à la base, on pense que ce sont les sauvages, n'est-ce pas, ou les autochtones des autres pays, bref, que ce sont en tout cas ici les noirs qui sont les anthropophages. Et en fait, il y a ce renversement évident qui fait que ce sont les colons, les blancs, les civilisés qui deviennent les anthropophages et qui en plus se mangent entre eux. D'accord? Donc bon, c'est assez évident, hein, bien évidemment, mais en fait, ça a rarement été poussé à ce point. Si vous prenez Montaigne, bien évidemment, Montaigne a parlé, a utilisé ce phénomène de l'anthropophagie pour dénoncer, en quelque sorte, en tout cas, la colonisation, violente. Mirbeau, lui, il va beaucoup plus loin, en fait. Oui, on est d'accord, Farid. Il y a vraiment quelque chose de très violent, quoi. Et puis l'explorateur continue, à la page 116, donc. Il n'importe. Malgré tous ces petits ennuis, je suis très heureux d'être reparti. En Europe, je suis malade. Je ne vis pas, je ne sais pas où aller. Je me trouve aveli et prisonnier dans l'Europe, comme une bête dans une cage. Impossible de faire jouer ses coudes, d'étendre les bras, d'ouvrir la bouche, sans se heurter à des préjugés stupides, à des lois imbéciles, à des mœurs iniques. Et ça, Mirbeau le pense, hein, que les lois sont imbéciles et que les mœurs sont iniques. Mais, la suite, pas du tout. L'année dernière, charmante Miss, je me promenais dans un champ de blé. Avec ma canne, j'abattais les épis autour de moi. Cela m'amusait. Ben oui, faut forcément détruire pour s'amuser. J'ai bien le droit de faire ce qui me plaît, n'est-ce pas? Un paysan accourut qui se mit à crier, à m'insulter, à m'ordonner de sortir de son champ. On n'a pas idée de ça. Qu'auriez-vous fait à ma place? Je lui asséné 3 vigoureux coups de canne sur la tête. Il tomba, le crâne fendu. Eh bien, devinez ce qui m'est arrivé. Alors là, mais c'est vraiment... c'est horrible, mais c'est génial. Vous l'avez peut-être mangé? Insinua en riant Clara. Non, on m'a traîné devant je ne sais quel juge qui me condamnèrent à 2 mois de prison et 10 000 francs de dommages et intérêts pour un sale paysan. Et là, si on s'arrête là, c'est... On peut s'arrêter là, en fait. C'est-à-dire que là, il y a une critique, bien évidemment. Il y a ce personnage qui est tourné au ridicule et qui montre l'impunité à laquelle veulent accéder certaines personnes qui se croient toutes puissantes, ce à quoi Mirbeau, bien évidemment, ne souscrit pas. Mais en fait, c'est même autre chose qui est ici dénoncée. Et on appelle ça de la civilisation. Est-ce croyable? Eh bien, merci, s'il avait fallu que je fusse en Afrique condamné de la sorte chaque fois que j'ai tué des noirs et même des blancs. En fait, non. Mirbeau nous dit, oui, c'est ce genre de personnage est détestable. Critique sur l'individu. Et puis, en fait, après, critique sociale, critique politique. Mais comment se fait-il? Comment peut-on réellement en vouloir à ces individus, étant donné que la société leur permet de faire exactement ça à partir du moment où ils ont traversé une mer? Vous voyez? Donc si on s'arrête trop tôt dans la lecture, si on relâche un peu son attention, ou si on va pas jusqu'au bout. Non, c'est pas une critique de l'individu. Oui, effectivement, c'est un personnage détestable, qui n'est pas du tout sympathique. Mais en fait, la Mirbeau nous dit surtout que... Hé! Comment expliquer, comment justifier que... par-delà les mers, on puisse tuer impunément et pas sur notre sol? Et comment attendre, en fait, comment pouvoir espérer que des personnes qui vont là-bas faire ça puissent revenir et se réintégrer dans la société, en fait? Et ça, alors là, c'est vraiment loin, mais ça me fait penser, avec mes premières, j'avais travaillé un texte de Césaire, qui est un extrait de discours contre le colonialisme, où Césaire, il explique en fait que selon lui, le nazisme est une punition pour les Européens et les Européennes,
mais que c'est aussi une conséquence tout à fait logique, qu'en fait on s'est exercé à l'étranger pendant bien longtemps, et que finalement, bah, après on a mis en pratique sur nos propres terres ce qu'on faisait déjà en Afrique, en Asie, etc. Bah, Mirbeau, il nous dit plus ou moins la même chose. Alors pas formulé de la même façon, parce que de toute manière, lui n'a pas... C'est pas la même époque que Césaire, bien sûr. Et puis là, Clara continue. Et là, c'est beaucoup plus subtil. Car vous tuiez aussi les Noirs, fit Clara. Certainement, oui, adorable Miss. Pourquoi, puisque vous ne les mangiez pas? Et en fait, là, on voit que Clara, ce n'est pas de manger des personnes qui la choquent. C'est de tuer si on n'a pas de raison vraiment bah, de les tuer. Est-ce que c'est pour les manger? Est-ce que c'est pour tester un nouveau produit? Est-ce que c'est pour la beauté de la mort? D'accord? Faut qu'il y ait une raison en fait. Mais pour les civiliser, c'est-à-dire pour leur prendre leur stock d'ivoire et de gomme. Alors c'est fascinant. Parce que vous voyez, tout tient dans la virgule et le c'est-à-dire. C'est pas mais pour les civiliser et pour leur prendre leur stock d'ivoire et de gomme. Non, non, non. Là, il y a une explication, il y a une définition du terme de civiliser, leur prendre leur stock d'ivoire et de gomme. Et puis, que voulez-vous? Si les gouvernements et les maisons de commerce qui nous confient des missions civilisatrices apprenaient que nous n'avons tué personne, que diraient-ils? Donc là, ça devient beaucoup plus explicite. Et alors, justement, là, ça fait effectivement penser, je ne sais pas si la personne qui l'avait mentionné l'a dit tout à l'heure, et encore, si la personne qui l'a dit tout à l'heure est encore là, mais... Ça fait quand même beaucoup penser à Heart of Darkness de Joseph Conrad, que moi j'ai beaucoup aimé personnellement, même si certaines personnes, je sais, sont pas fans et trouvent justement que le roman est raciste. Moi je trouve pas du tout. Mais voilà. Bon, et puis à la suite, on a une description des Noirs qui sont considérés comme des êtres totalement inoffensifs, comme des jeunes lapins. Bref. Et justement après, effectivement, les Noirs, protesta l'explorateur, pas du tout. Quand on lui demande s'ils sont anthropophages. Dans les pays noirs, il n'est d'anthropophages que les blancs. Les noirs mangent des bananes et broutent des herbes fleuries. Je connais un savant qui prétend même que les noirs ont des estomacs de ruminants. Comment voulez-vous qu'ils mangent de la viande, surtout de la viande humaine? Et puis après, on a le narrateur qui arrive un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Alors pourquoi les tuer, objectai-je, car je me sentais devenir bon et plein de pitié. N'est-ce pas bon de se sentir devenir bon et plein de pitié? Et puis après, là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus cruel, effectivement, où l'explorateur bah, confie qu'en fait, non seulement c'est pour des fins économiques, c'est-à-dire les stocks d'ivoire et de gomme, mais c'est aussi parce que c'est sacrément amusant. Et juste après, on a la fin, enfin, on a une interruption dans le dialogue. Et on a un petit bout de narration de récit. La nuit se poursuivait dans l'éblouissement. Le ciel était en feu. Donc un moment de lyrisme absolu qui vient totalement contraster avec le sujet, hein. Autour de nous, l'océan balançait de grandes nappes de lumière phosphorescente. Et j'étais triste. Triste de Clara. Triste de ces hommes grossiers et de moi-même. Et de nos paroles qui offensaient le silence et la beauté. Alors là, c'est un passage un petit peu particulier. Parce que... Ça peut être pris de manière un petit peu sérieuse, effectivement. Voilà, en fait, il y a un contraste entre la beauté de la nature, à laquelle on sait que Mirbeau est sensible et qu'il y croit fortement. Il y a un contraste entre la beauté de la nature et l'horreur de ce dialogue entre humains, n'est-ce pas? Et forcément, pour ce narrateur qui a des petites graines de poète en lui, ça ne colle pas. Ça entraîne un sentiment de tristesse, de dégoût. Ces hommes en plus sont grossiers, n'est-ce pas? Ça offense le silence et la beauté de la nature, la beauté avec un grand B. Donc on peut le lire ainsi. Et je ne pense pas que ce soit une fausse lecture en soi. Mais il y a quand même quelque chose d'autre qui interpelle, c'est que les paroles qui sont prononcées, est-ce que la première pensée qu'on a, c'est qu'elles offensent le silence et la beauté? Est-ce que là, encore une fois, il n'y a pas une forme d'ironie, c'est-à-dire de critique et de distanciation par rapport à ce narrateur qui est incapable
de penser qu'elles offensent plutôt l'éthique, les valeurs, la bonté, l'humanité. Est-ce qu'en entendant ce genre de choses, on est censé penser « Ah, c'est vraiment vulgaire et grossier, ça offense le silence et la beauté. » Vous voyez ce que je veux dire ? Encore une fois, je pense qu'il y a une double lecture qui est possible. Et comme malheureusement, Mirbeau n'a pas lui écrit sur ses propres textes, comme c'est le cas de Zola, et comme il n'y a pas beaucoup d'études sur Mirbeau, je peux pas trop vous en dire plus. Moi, je pense qu'il faut lire les deux ensemble. Mais voilà, c'est que mon opinion. Oui, c'est ça, Aragon. Mais surtout avec ce grand B, en fait. On ne sait pas, est-ce que justement c'est un grand B qui la distingue de la beauté bourgeoise? Ou est-ce qu'au contraire, ce grand B, enfin ce B majuscule, c'est comme une forme de caricature qui justement indique que c'est bien cette beauté bourgeoise dont on parle. C'est ça qui est vraiment, en fait, compliqué avec ce livre. Oui. Et puis après, on repart sur quelque chose tout à coup. « Connaissez-vous Stanley ?» demande Clara à l'explorateur. Donc Stanley qui est un personnage réel, un vrai explorateur, enfin explorateur. En tout cas décrit comme un vrai explorateur, mais c'est surtout, c'est celui qui était allé à la recherche de Livingstone, et c'est aussi celui qui a aidé le roi Léopold, je ne sais plus combien là, à dominer, à servir et coloniser le Congo. Donc le Congo belge. Et c'est ça qui est décrit, entre autres, dans Heart of Darkness, ou Au cœur des ténèbres de Conrad. Et je ne sais pas si vous le savez, alors toutes les colonisations sont affreuses, horribles et monstrueuses, hein, bien évidemment. Mais ce qui s'est passé justement au Congo belge, alors en plus c'est même pas vraiment le Congo belge, c'était vraiment le Congo du roi, bref. C'est, en tout cas, c'est là qu'il y a eu parmi les choses les plus cruelles et les plus atroces qui se sont passées. Et donc là, l'explorateur répond, « Certainement, oui, je le connais. Il va tout de même un peu loin. Tout de même, un peu loin. » Voilà. Bon. Et après, je vais pas continuer non plus parce que sinon ça va être trop long, mais il y a un passage génial où, voilà, on nous explique cette invention superbe, De cette fée rieuse qui est donc cette balle qui transperce les hommes comme si c'était du papier. Donc bon, ça c'est pour le colonialisme. Il y a bien évidemment une dénonciation de l'armée qui est plus subtile quand même, mais l'armée c'est aussi celle, enfin en tout cas l'armée, tout ce qui est militaire, c'est aussi ce qui permet de coloniser. La page 121, hein, c'est plus discret, mais... très joli, applaudit l'artilleur qui, bien qu'il n'eût rien compris à cette interruption argotique, se mit à rire bruyamment de ce brave et franc rire, vous savez quand on dit tu es bien brave, de ce brave et franc rire qu'ont les soldats de tous les grades et de tous les pays. Donc voilà, pour Mirbeau, il n'y a pas d'armée qui puisse en racheter une autre. Puis à la fin de la même phrase, on nous dit c'est une question d'humanité, c'est aussi ça le progrès moderne, consiste, c'est-à-dire massacrer le plus d'hommes que l'on peut en le moins de temps possible. Voilà. Et en fait, à plusieurs reprises dans le roman, justement, on voit que le progrès et l'humanité sont toujours renversés avec un raisonnement absurde. Par exemple, cette balle, c'est un grand outil du progrès parce que ça ne laisse plus de blessés. Quand on vous le donne comme ça, quand on vous dit cette chose ne laisse plus de blessés, effectivement, si on est dans un raisonnement absurde qui est presque proche du syllogisme, c'est effectivement un outil de progrès. Et puis après, on nous apprend que non, c'est parce qu'il n'y a plus de blessés, parce que personne n'y survit. Et ça, c'est à plusieurs reprises, voilà, il y a différents personnages qui vont parler de progrès, d'humanité, de civilisation, et à chaque fois, ils vont venir ternir, pervertir ces termes avec ce raisonnement par l'absurde. Donc on a parlé tout à l'heure de la dénonciation de la justice partiale et du fait que malheureusement ni la justice ni la morale, en tout cas dans le roman de Mirbeau, ne peuvent nous sauver. Et c'est vraiment ça une question, hein, de ce roman. C'est quand même, quelle est donc la solution?
et on en parlera aussi la semaine prochaine, c'est un roman qui, sous des allures un petit peu fantasques, un petit peu esthétiques, un petit peu exaltées, et en fait assez pessimistes. Mais on en reparlera. On a vu que la politique était fortement critiquée via le personnage d'Eugène, donc ça, on l'a vu. Et puis, bien évidemment, vous me connaissez, je vais quand même vous en parler, et puis on se quittera. À la page 405, le narrateur rencontre un chasseur, un Normand, qui est un chasseur passionné, et qui nous dit qu'il fuit la France parce qu'il y a trop de braconniers en France, et que donc il ne peut plus, lui, chasser comme il veut. Vous voyez bien, tout, encore une fois, toute l'absurdité hein, qui est au service de l'ironie ici. Et il finit par nous dire qu'il y a des gibiers en abondance au Tonkin, mais surtout des paons, et que c'est absolument génial de tuer ces paons. Voilà. Et il nous dit qu'il a tué de tout. Voilà. À quel paon, vous n'en avez pas la moindre idée. Car ce que vous prenez dans nos volières et dans nos jardins pour des paons, ce ne sont même pas des dindons. Ce n'est rien, mon cher monsieur. J'ai tué de tout. J'ai même tué des hommes. Eh bien, jamais un coup de fusil ne me procura une émotion aussi vive que ce que je tirais sur les paons. Les paons, monsieur, comment vous dire, c'est magnifique à tuer. Et là, vous voyez, c'est pas anodin. J'ai tué de tout. Parce que j'adore chasser, je suis un chasseur expérimenté, passionné. Trois petits points. J'ai même tué des hommes. Voilà. Je vous dirai pas, mais je pense que c'est assez clair. Et puis, juste un peu plus loin, il parle des poules. Elles sont dans les forêts et se cachent dans les arbres. On ne les voit jamais. Seulement moi, j'avais un truc. Je remontais les fleuves en sampang avec un coq dans une cage. Je m'arrêtai au bord de la forêt et j'accrochai la cage au bout d'une branche. Le coq chantait, alors de toutes les profondeurs du bois, les poules venaient. Elles venaient par bandes innombrables. Et je les tuais. J'en ai tué jusqu'à 1200 dans la même journée. Voilà. Donc, là on tombe en fait sur ce bateau dans un monde de violence. Une violence qui s'exerce sur tout ce qui vit. Violence qui est fortement décrié et dénoncé par Mirbeau. Les animaux reviennent très très souvent dans l'œuvre de Mirbeau et sont toujours les victimes, enfin souvent les victimes en tout cas, des hommes qui justement ont cette envie de domination sans limite. Et ça se retrouve dans le Jardin des Supplices, mais pas que. Voilà, on sait que Mirbeau détestait la chasse. Voilà. Et à la fin, ils arrivent justement... Ça se clôt sur l'arrivée au large de Ceylan, qui est donc le Sri Lanka. Et je vous avais préparé... Bon, là, je ne sais pas qui c'est ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Je vous ai sélectionné quelques peintures, justement, qui datent du 19e, ou début... Ouais, je crois qu'elles datent toutes du 19e. Donc la qualité n'est pas toujours incroyable. Hein, mais c'est un petit peu pour vous donner une idée des représentations qu'avait Mirbeau aussi à l'époque. Parce que Mirbeau, lui, n'a jamais mis un pied en Asie ou en Afrique. Hein. Ça, c'est important quand même à savoir. Et donc toutes les descriptions qu'on a, qui sont quand même très très belles. Hein. Alors, bon, on est déjà... Ça fait longtemps qu'on parle là. Mais c'est vrai que les descriptions de... Ben, du Sri Lanka, enfin de Ceylan, elles sont quand même très jolies. Oui, je ne vous ai pas dit, mais il y a quand même beaucoup de... Alors, je ne sais pas, mais Clara, moi, me fait aussi beaucoup penser à la Vénus à la fourrure. Je ne sais pas si certains et certaines parmi vous ont lu ce roman de Sader Mazor ou pas. Donc voilà, par exemple, à la page 127, il y a une très belle description qui suit justement la prise de pouvoir un petit peu totale de Clara, hein, où elle commence à l'appeler bête, oh la petite bête, etc. Et on a un
un dernier paragraphe qui est très très beau et où là Mirbeau expérimente un tout autre style. Le soir était venu, puis sans crépuscule, la nuit. Une douceur inexprimable circulait dans l'air. Le navire naviguait dans un bouillonnement d'écume phosphoreuse. De grandes clartés effleuraient la mer, et l'on eût dit que des fées se levaient de la mer, étendaient sur la mer de longs manteaux de feu, et secouaient et jetaient à pleines mains dans la mer des perles d'or. Donc il y a quelques répétitions, mais qui, à mon sens, ne sont pas dérangeantes. Puis il y a ces fées qui reviennent, mais ces fées, on en reparlera parce que je ne sais pas. Un matin, en arrivant sur le pont, je distinguai, grâce à la transparence de l'atmosphère et aussi nettement que si j'en eusse foulé des pieds le sol, l'île enchantée de Ceylan, l'île verte et rouge que couronnent les féeriques blancheurs roses du pic d'Adam. Déjà la veille, nous avions été avertis de son approche par les nouveaux parfums de la mer et par une mystérieuse invasion de papillons qui, après avoir accompagné durant quelques heures le navire, s'en était allé subitement. Voilà. Et donc, je vous ai préparé... alors, dites-moi si ça marche. Du coup, hop. Quelques représentations de l'époque de ce que pouvait être, justement, Ceylan. Et justement, Ceylan, un petit peu vu de la mer ou en termes de paysage. Donc ça, c'est à peu près, on va dire, entre autres, ce que Mirbeau pouvait avoir comme représentation et comme peinture ou illustration pour se représenter cette île. Entre autres choses, bien évidemment. Oui. Oui, c'est pas une lecture évidente. Hein. Après, c'est pas toujours... Par exemple, je trouve que le journal d'une femme de chambre est beaucoup plus facile à lire. Le jardin des supplices est plus compliqué. Quand même. Et on sort de la lecture avec... ouais, c'est ça. Hein, c'est même pas double. Hein, c'est bien plus que double, je trouve, en fait. On sort quand même du roman avec de nombreux points d'interrogation et de nombreuses questions auxquelles, franchement, je pense qu'il est difficile d'apporter des réponses. Alors peut-être qu'effectivement des personnes qui auraient beaucoup étudié Mirbeau et qui le connaîtraient davantage, ben ça c'est sûr qu'elles pourraient largement enfin, faire bien plus intéressant que moi, c'est pas ça que je veux dire. Mais je suis même pas sûre que même des personnes qui ont beaucoup étudié Mirbeau soient dans une certitude par rapport à certains passages du Jardin des Supplices. Moi je pense que c'est une œuvre assez, assez complexe et qui est vraiment pas facile au niveau de l'interprétation. Vraiment. En tout cas, voilà. On arrive au terme de ce premier live. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie, un, pour votre présence, deux, pour votre écoute et votre patience, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Je suis désolée, je me rends compte que c'est beaucoup moins interactif que le temps du texte. Donc j'espère que c'est pas un problème pour vous. Je vous remercie bien évidemment pour les dons à travers le chat. Vraiment merci beaucoup. Je pense que c'est le live qui a suscité le plus de dons, donc je vous en remercie très, très sincèrement. Et puis bah, je vous dis de toute manière à la semaine prochaine. On parlera de la fin du roman. Et de tout ce qui nous reste à comprendre et tout ce qui va nous hanter suite à cette lecture. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, que c'était pas trop long, que c'était pas trop ni superficiel ou alors trop un petit peu court où je parle seule. Voilà. Et puis je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très bonne soirée. À partir de la semaine prochaine, on va se retrouver pour effectivement le dernier live du Jardin des Supplices, mais on va aussi se retrouver pour Madame Bovary. Oh. Donc on va reparler de Flaubert. Donc je m'excuse entre guillemets, c'est mal poli de dire ça, mais je m'excuse par avance parce que je sens que je vais encore baver d'amour pour Flaubert. C'est très laid cette façon de le dire, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon voilà, je vous remercie, vraiment merci à vous et merci aux personnes qui ont fait un don dans le chat. C'est vraiment, je l'apprécie très très fortement et très sincèrement. Et puis je vous dis à très bientôt de toute façon. Et je vous dis à mercredi pour le temps du texte, même avant la semaine prochaine pour le live des lectures communes.
Très bonne soirée à vous et à bientôt. Merci encore.